Ok, il n'y a personne de la Thomas pour présenter. Oui, rapidement, allez, il est 47. Bonjour, madame de Rosanne. Avec la permission de madame l'inspectrice régionale de la ville de Conakry. Ce cadre ce matin pour le lancement officiel CEE session 2020. Mes enfants, ne soyez pas stressés. C'est pour tout juste qu'on va vous donner les sujets, tout de suite vous allez réfléchir et voir ce que vous avez appris en classe et mettre ça sur les feuilles. Nous remercions Dieu parce que certains disaient qu'il y aura une année blanche. Ce n'était pas votre souhait, ce n'était pas le souhait de certains parents. Aujourd'hui, certains de vos amis n'ont pas voulu reprendre les classes. Félicitations à vous, félicitations aux parents qui ont accepté de vous accompagner à l'école pour les 3 semaines, les 4 semaines passées. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes dans la salle d'examen par la grâce de Dieu. Donc, nous allons suivre, avant l'ouverture de l'enveloppe, les sages du conseil de M. le maire de la commune de Ratoma. Hein? Vous allez le suivre attentivement. Après, nous allons procéder à l'ouverture de l'enveloppe. C'est valable pour vous, mais c'est valable aussi pour les enseignants qui sont avec vous et qui vous surveillent. Ils n'ont pas triché. Parce que si vous trichez, vous êtes triché la Guinée, vous êtes triché tout le pays. Ne faites pas en sorte que vous voulez aider des enfants. Non, vous ne les aidez pas du tout. Donc on vous souhaite bonne chance. Travaillez à la hauteur de vos possibilités et de vos capacités. On compte entièrement sur vous. Ne vous stressez pas, n'ayez pas peur. Personne ne sera brisé, personne ne sera stressé, personne ne sera abattu. S'il vous plaît. Voilà, mère. Oui. Alors, bonne chance à vous. Monsieur le président, l'enveloppe est les ciseaux, les paires de ciseaux. Élémentaire, session 2020. Il voit qu'il profite enseignement général de ce ratement, épreuve de réaction. Horaire 9h00, 10h30, date mercredi 5 août 2020, centre d'examen collège à Toa, total candidat 696. L'examen de fin de l'étude élémentaire, section 2020, Ziré Conakry, profil enseignement général, épreuve de rédaction. Honneur, 9h00 à 10h30, date mercredi le 5 août 2020. Centre d'examen collège La Thoma, total 696. Merci. Et voilà. Regardez la si l'enveloppe est très bien fermée, si les marins ou les drames ne sont pas passés la nuit pour le voir, pour prendre pour manger, regarde mon garçon. S'il n'y a pas de trou quelque part, regarde si c'est bien fermé. C'est bien fermé. Tu dis à tes amis, c'est bien fermé. Prends, tu montes. C'est bien fermé. Maintenant, on va procéder à l'ouverture. Hein? Donc le fait qu'il faut deux fois c'est de 9 000 et 4 candidats et qui sont repartis dans ces 65 salles. Je profite même de cette occasion de. Je remercie M. le maire qui est venu ici par sa présence pour le lancement de cette équipe inaugurale du Saint-Coupe. Quelle est la particularité de ces examens? Ces examens, l'une des particularités, c'est la première fois qu'il y a permutation des DCE de le lundi. Autre particularité, vous le savez comme moi, nous vivons dans un contexte de coronavirus où le mot
tolérance zéro se situe à deux niveaux. Tolérance zéro contre la corruption et la fraude et la tentative de fraude. Tolérance zéro pour le non-respect des mesures barrières. Donc c'est ce que m'apporte comme innovation. Et puis il y a eu des couches. Il y a un concept à connaissance apporté par le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il y a eu des couches. Au niveau de la commune, au niveau de la région. Ici, pour la commune de la Touma, ils ont mis à notre disposition trois coachs qui doivent nous accompagner. Parce que le ministre voulait qu'à la longue, que les IE se prennent en charge pour la gestion de ces écoles. C'est l'idée-là qui a prévalu. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Merci. On a constaté des cas de privilégiation. Oui, mais vous savez que le travail humain va avec ces imperfections, mais ils sont tous, on les corrige tous, vous allez le constater. Au fur et à mesure que nous constatons ces imperfections, on met tout de suite de l'ordre. Et tout est rentré dans l'ordre. Et je crois que les choses vont se passer sans fausse note. C'est là que je veux dire. Nous félicitons les autorités, nous félicitons toutes les personnes qui ont contribué à ça. Sûrement, vous avez un appel à l'endroit des peut-être des candidats, des candidates ou les responsables qui surveillent les rencontres. L'appel que nous lançons, on a demandé aux enfants tout à l'heure d'être sérieux parce qu'ils représentent l'avenir de ce pays-là. Aux surveillants qui sont avec eux, de veiller sur les enfants, de ne pas tricher avec eux. Parce que ces enfants-là, c'est l'avenir de la Guinée. Nous ne devons pas tricher avec eux. Moi, dire, ah, on va vous aider, on va faire ceci, on va faire cela, ce n'est pas normal. Il faut aller avec eux dans le travail et dans le sérieux. Si cela est fait, tout le monde est content. Et les enfants vont se sentir très fiers quand demain, ils vont avoir leur examen. C'est ce que nous souhaitons et c'est le message que nous avons passé aux enfants. Au nom de la commune de la Touma, nous souhaitons la bienvenue aux enfants, nous souhaitons la bienvenue aux encadreurs, à tout le monde, à tous ceux qui sont là, pour que les exercices passent dans les bonnes conditions.